Ça t'a fait peur? Non. Et là? Oh là Ah, c'est pas ce que je me disais. là! Vas-y, go. Ok. Est-ce que. Alors, aujourd'hui, mec, est-ce que tu sais sur quoi on va porter la vidéo? Ouais, sur une présentation de souris, mon ref, tu m'as dit tout à l'heure. C'est vrai, je te l'ai dit. Ouais, bien vu, bien vu. Il a un sac de souris, là, les refs, une cargaison. Regardez, je vous montre. Là, j'ai déjà pas mal de souris. Là, j'en ai une autre. Là, j'en ai une autre. Là, j'en ai des autres, mais vas-y, on va pas les présenter, je crois, parce qu'elles sont pas super intéressantes. Genre ça. Ça. Sur la dernière vidéo, on avait fait. J'avais demandé 25 000 likes sur la vidéo où je présentais mes claviers. On a fait 28 000, je crois. Et comme on a fait bah, plus de 25 000 en fait. Parce que comme le défi, c'était 25 000, on a fait 28 000. Bah, 28 000. Ça fait un peu plus que le défi en fait. Exactement. Ah, et okay. Du coup, bah, tout ce qu'il faut en fait, je dois respecter ma promesse. Ouais. Que j'ai dit que j'allais faire sur les souris. Et c'est quoi ta promesse là, du coup? Bah, en fait, c'est que je vais faire ma vidéo sur les souris. Ok. On commence par la meilleure? Ouais. Est-ce que tu sais ce qu'est le modèle de cette souris? Logitech. Ouh, le modèle, pas la marque. Le modèle? Ouais. Si t'as le modèle, je te passe 500 balles. Logitech, Galaxy. Non. C'est pas un truc Galaxy? Non, tu t'en fous de la couleur, juste le modèle. Mousepad. Mousepad? Mousepad. Tu sais ce que ça veut dire, mousepad? C'est un truc tactile. Mousepad, c'est un truc tactile? Ouais. C'est la souris tactile, là, qui est dans le PC portable, wesh. C'est comme mousepad. C'est un tapis de souris en anglais. Putain. Je suis passé comme ref, c'est quoi? T'es passé pour un con. Ah fuck. T'es content? Fuck. Passe-moi, je te passe le Covid. Tiens le Covid. Fuck. C'est la G-Pro Wireless, mec. La quoi? La G-Pro Wireless. Waouh. C'est la souris que la plupart des gens utilisent. Et tu sais, moi, comme je suis un bouffon, ouais. Bah, j'ai un pigeon, tu vois, j'ai demandé à un mec: hey, tu peux me peindre la souris et je te paye 130 euros de plus. T'as peint la souris? Et la souris, tu sais, elle coûte combien? 130 euros. T'as payé 260 balles la souris? Là, j'étais un bête. Mais est-ce regarde à quoi elle ressemble là, de base. De base, elle est toute, bah, de base, elle est toute noire. Deuxième souris. Ça, elle a l'air grave stylée par contre. Est-ce que je sais c'est quelle marque? Attends, je vous la montre. Là, de vue, j'aurais dit Razer en vrai. C'est ça? Ouais. Enfin, t'es giga là, chaud. Là, là, t'es giga là, là, chaud. C'est une Razer. C'est la. En gros, tu vois, elle, c'est la meilleure de chez Logitech. Bah, elle, c'est la meilleure de chez Razer en ce moment, tu vois. Ok. Elle est sans fil, les deux c'est des souris sans fil. Ouais. Franchement, il y a tout le monde qui prend du sans fil, c'est la Razer Viper Ultimate. Du coup, entre les deux, tu préfères laquelle là? Celle-là, hein. Celle-là? Ouais. Moi, je préfère celle-là. Tu préfères celle-là, toi? Ouais, là, je la trouve plus confortable. Celle-là, elle a pas une batterie de fou. Celle-là, ah ouais, a une batterie de fou, ouais. Excusez-moi. Alhamdoulilah, on dit. Merci. Alhamdoulilah. Tiens, le Covid. Covid check. Ok, troisième souris. Alors, attends. Tu vas la sortir, tu vas me dire ce que ça sent, ok? Ouais, non, je sens rien. Tu la sentes là? Ouais. Elle, c'est censé sentir quoi? La pisse de mon chat. Tu fais enculer, frère. Tu fais enculer, wesh. Il a pissé sur ma souris. Zéro van, regarde le calme. Il est oxydé. Là, parce que la pisse des chats, c'est toxique. Bref, c'est la Zoe S. Oh, c'est la même qu'elle, hein. Et ton chat, il a vraiment pissé sur la souris, genre. Oui. Je regarde, t'as un baiser, wesh. T'as un baiser, je vais pas aller chez la souris sur laquelle mon chat a pissé. J'ai le Covid, hein. T'as un baiser, gros. Ok, quatrième souris. C'est Fnatic. Bien vu, t'es chaud, tu suis l'e-sport, j'aime bien. Ouais. Souris de chez Fnatic, ils m'ont envoyé gratuitement. J'adore Fnatic, les gars. Yes, super, du contenu de ouf, merci. Ok, t'en penses quoi? J'adore ça. Première allure. Elle est trop belle, wesh. Ah ouais? Ouais. Je vous la montre. Retour là, je pense qu'ils n'ont pas assez vu de derrière. Je sais pas si vous la voyez bien. De derrière, voilà, carré. Mais là, dans ta capuche, tu sais, pour voir là. Voilà, là je pense qu'ils voient très bien là. Donc ça, c'est le calme de la souris. Et la souris en personne. Voilà. Donc ça, c'est la souris Fnatic. Pas grand chose à dire sur elle. Elle est un peu basique en vrai. Elle est un peu basique. Ouais. Elle passe vite fait, elle est un peu basique. Est-ce que tu veux que je te montre la souris des meufs? Vas-y. T'as la souris rose, mec. Waouh. C'est encore, on me l'a encore envoyé gratuitement une fois. Du coup, c'est la marque, elle s'appelle X-Trefy. Oh, t'es chaud. Waouh. Ok, donc là, vous voyez, les amis. Voilà, une petite rotation. Ah, t'as monte ta bague. Petite note sur 10 sur les bagues, quand même. Petite note, vite fait, sur ses dents, sur son dentier. Il a fait un détartrage il y a pas longtemps. Oula. Bizarre, toi. Pas moi. Ah, oh. Attends, vas-y, peut-être tu te mets des notes bien, sur 10. Moi j'aime bien. Attends, faut que tu mets des notes sur 10, celle-là. Vas-y. Celle-là, un petit 7. C'est celle-là. Ok, ouais. Pour la Galaxy 7. Ouais. Celle-là, un petit 9. 9 pour la Viper Ultimate. Ouais. Celle avec la piste de mon chat.
En ça, 6. 5 et demi, 6, ouais. C'est basique en vrai. Hein. Elle est basique. Bah, tu sais que c'est, c'est celle que les joueurs, le plus de joueurs pro sur CSGO utilisent. Ah ouais. Enfin, il y a longtemps. Là, je sais pas si c'est toujours le temps. Bon, celle-là, c'est un petit 4. Hein. Ok. Petit 4. Ah ouais, ouais. Elle est bien pourtant. Bon, c'est, bon, celle-là, du coup, c'est le top. Ouais. Celle-là. Celle-là, comme l'autre, 5 et demi, 6. Ok, bon, les mecs, celle-là, je vous montre pas. Juste, elle est bleue. C'est la Zoe S2 Divina, la même que l'autre. Oh, Fnatic. Ouais, elle est stylée, la Fnatic. C'est celle des fanatiques un peu. Petit 9,5 hein. 9,5 Ouais, 9,5, 9 hein. 9,5 Ouais, 9,5, 9. Merci Fnatic d'ailleurs. Et ça, tu mets 7. Ouais. T'es vraiment chelou, hein. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, bien évidemment. Ah, attends, attends, tu te montres la première série avec laquelle j'ai joué à Fortnite. Vas-y. C'est un Steel Series Rival 310, on va comme ça. Regardez l'état. Aïe, aïe, aïe. Elle a le Covid. Hein. Ça se voit la charbonne. Hein. Elle est testée positive au Corona. Voilà. T'en penses quoi? Attends, mais attends, je vous montre l'état quand même. L'état facial. Du coup, tu mets quoi comme note? Un petit 7. 7 visuellement? Ouais, 7 visuellement. Elle est éclatée, les mecs, je vous jure. Les patins, ils glissent plus. Là, vraiment, il y a carrément des parties. Elles se sont dit, eh, vas-y, moi, je reste plus sur cette merde-là. Elles se sont barrées. T'as joué avec pendant combien de temps, moi? Un an et demi, je crois. Hein. Bon, après, voilà, je vous montre vite fait, mais j'ai plein d'autres petites souris. Mais que, bah, je touche vraiment plus. Les souris, que je vous ai montré, c'est les souris que j'utilisais récemment, genre. Après, voilà, j'ai des anciennes Logitech. J'ai une Razer Mamba ici. Bref, j'ai plein de petits trucs, mais j'utilise plus, quoi. J'utilisais quand je jouais à Minecraft et tout. Et maintenant. Alors, par exemple, la souris avec laquelle je joue à Minecraft, mec. C'est ça, non? Ouais. Je sais même pas comment, je me suis dit, c'est une bonne idée d'acheter ça. Mm-hmm. J'ai quand même acheté. Ouais, voilà, hein. Allez, en vrai, je crois, non, on va se carrer, là, je pense, hein. Ah, si, celle-là. Je peux te laisser. Ok. C'est, je sais pas ce qu'il y a comme souris en ça. Ok, non, mais attends. Alors, on va jouer à un jeu, ok? Vas-y. Alors, on recule un peu. Tu as une marque, ça c'est ton produit. Tu dois inventer le nom d'une marque, inventer le nom du produit et tu dois la vendre. Je suis dans un cours de marketing là. Exactement, en plus c'est tes études. C'est ce que tu fais comme études. Du coup, je dois faire quoi? Je vais te donner un nom à la marque? Tu dois trouver un nom de marque. Pour ça là? Ouais, un modèle. Ouais. Et tu dois leur montrer le produit et le vendre, quoi. Ok. Voilà. Ok, les gars, je vous présente une souris. C'est une souris inédite. Voilà. C'est une souris inédite, les amis. On vient de sortir dans le marché. On va l'appeler la Centrou. La Centrou? Ouais, comme Geox un peu. Tu vois, Geox, la chaussure qui respire. Oui. Bah là, c'est la souris qui respire, du coup. Ok. Et à chaque fois, en fait, vous avez des problèmes quand vous cliquez sur vos souris. C'est qu'il reste beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de sueur, en fait, sur vos souris. Et ça crée des petites taches ici. De crasse, etc. Parce que vous êtes des gros crasseux, hein, les gamers. On les connaît, les gamers. Hein. On se douche pas, nous. On les connaît, les gamers. Hein. Le savon, c'est quoi? Et du coup, il y a des petites traces de crasse ici. Et Ouh! Faut regarder ici. Qu'est-ce qu'elle fait, cette souris, les amis? Elle enlève les traces. Ah, j'ai... Elle enlève les traces de crasse sur la souris. Et du coup, elle filtre. Elle filtre carrément votre sueur, en fait. Et c'est avec votre sueur que la souris, elle peut marcher. Parce que votre sueur, en fait, elle va tomber dans le trou là. Et là, vous avez un petit truc qui s'appelle la battery externe. C'est une batterie, en fait, une batterie externe. On appelle ça, c'est en Autriche, en hongrois. Et voilà. Et du coup, la batterie, elle marche grâce à votre sueur. Donc voilà. Donc je suis un gros dégueulasse. Du coup, là, la souris, elle est en train de marcher un peu. Et vous êtes quelle marque? Quoi? C'est quoi le nom de votre marque? Sans trou. Non mais non. Et ok, le modèle de la souris? La STR. Hein? La STR. Ah, la sans trou. Ouais. T'es incroyable. La STR. T'es formidable. La Centrou STR. Elle est disponible au prix de combien? Au prix de 99,99€, bien évidemment, puisque bah, c'est une batterie rechargeable avec votre sueur, finalement. Ouais, ça vaut le coup, quoi. En deux crados. Bon, sinon, les mecs, c'est la Cooler Master MM710. Ça compte sur... Ah, c'est vraiment son prix? C'est vraiment son nom? Ouais, ouais. Ok. Cooler Master MM710. Ah, du coup, tu me baisses vraiment mon plan en marketing? Ouais, c'est... Même ça, c'était une vanne. Ok. C'était une vanne. C'était super cool, okay. Hein, tu l'as bien pris. Non, parce que j'ai cru que... La STR est super bien. La STR est super bien. Mais genre, c'est quoi son... Attends, j'en affiche un truc deux secondes. Ouais, dis-moi, boss. Pourquoi elle s'appelle la Centrou si elle a des trous? Sans trous. Elle a 100 trous, la souris. Ah, elle a 100 trous, le chiffre 100, wesh. Le chiffre 100, beau gosse. Ok, mais ouais. Du coup, c'est toi le 100. Le 100 de la veine, c'est toi. Ouais, c'est moi le S. Le S goes, motherfucker. Le J, c'est le S, motherfucker. Le J, c'est le S. Sans le RS. Il y a ses pèses, elle est belle et qu'elle n'a PS. Ok, les mecs, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, les frères. N'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu si vous avez aimé. Voilà, c'était une vidéo avec mon pote, on était au studio, voilà. Bientôt la mixtape qui sort, la mixtape qui s'appelle comment? Sans trou, mais on aime les trous. Non, ça les mecs, mettez des pouces bleus, code créateur UMS. Voilà, vous m'avez demandé la vidéo sur mes souris, c'est les souris que j'utilise le plus souvent. C'est-à-dire que si vous piochez une souris parmi celles que je vous ai montrées,
vous êtes sûr d'avoir un bon produit, à part les souris où je vous ai précisé que c'était de la merde. Genre, la première souris que j'avais pour jouer à Fortnite, je suis là maintenant, elle est pas mal, mais c'est pas le top. Voilà, ciao ciao les frères, bisous bisous, bonne soirée, ciao ciao, profitez de votre journée, banks, 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 double banks. Bye bye, banks. C'était Momo au service. C'était brrr de la patrie. Bye. Pipiou. Slou. Posez des questions dans les commentaires pour la prochaine vidéo FAQ, les mecs. Posez des commentaires.